Les exposants fractionnaires. Cette section est la suite du travail que nous avons fait dans la vision 5 sur les exposants fractionnaires. Petit rappel avant de débuter, le Z étoilé signifie l'ensemble de tous les nombres entiers, mais la petite étoile, le petit astérisque, signifie qu'on doit exclure le zéro. Donc, nous avons dans les entiers tous les nombres négatifs et tous les nombres positifs ou les naturels, mais on remarque qu'on doit exclure le zéro à cause de la petite étoile. Petit rappel de la vision 5, la racine carrée de x, x étant à la 1. Nous avons une équivalence avec les exposants fractionnaires. En notation exponentielle, nous pourrions écrire x exposant 1, vu qu'ici le x est à la 1, mais à la 1 sur 2, donc à la 1 demi, puisqu'ici dans le radical, il y a un 2 de sous-entendu, vu que c'est la racine carrée. Si je fais le même travail, mais avec cette fois-ci une racine cubique, on sait très bien qu'il y a un petit 3 dans le radical, j'obtiens ainsi, comme mon x est à la 1, j'obtiens x exposant un tiers en notation exponentielle. Donc, la racine carrée de x exposant 5 s'écrirait x exposant 5 demi. Alors, en généralisant en algèbre, on a la racine carrée énième de A exposant M, ce qui nous donnera A exposant M énième. Le A peut être un nombre, n'importe quel nombre de l'ensemble des nombres réels. Par contre, les valeurs de ton exposant doivent être des nombres entiers, puisqu'ils sont impliqués dans une fraction, et le dénominateur doit être différent de zéro. C'est pour ça qu'on a écrit ici que le n appartient à l'ensemble Z étoilé. En utilisant notre première propriété ici, on a donc la racine énième d'une fraction, donc d'un rapport. Comme notre a sur b est à la 1, on peut donc écrire ceci, a sur b exposant 1 sur n. Nous utilisons la première propriété. Et comme nous l'avons vu dans nos lois des exposants, un rapport affecté d'un exposant, nous devons distribuer l'exposant au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne de façon simplifiée A à la 1 énième sur B exposant 1 énième. La racine énième d'un produit maintenant, alors comme on vient de le voir à la première propriété de cette page. On a donc A fois B qui est à la 1. Donc, comme il est sous la racine énième, le produit est donc affecté de l'exposant 1 énième. Et dans nos lois des exposants, nous devons, lorsque nous avons un produit affecté d'un exposant, nous devons le distribuer à chacun des facteurs. On a donc A exposant 1 sur n multiplié par b exposant 1 énième. Le n doit toujours être un nombre entier différent de 0. Maintenant, la quatrième et dernière propriété ou loi des exposants fractionnaires. Alors, au dénominateur, on a ici la racine carrée de la racine cm de a. Donc, en utilisant notre première loi, nous pouvons écrire A à la 1 sur C, mais tout ça est affecté de l'exposant D. Alors ici, nous avons au dénominateur ce qu'on appelle une puissance de puissance, et dans
nos lois des exposants, la loi nous demande de multiplier les deux exposants. Donc, nous obtenons donc la fraction suivante, 1 sur A exposant 1 fois D, D sur C. Alors, vous avez la fraction finale 1 sur A exposant D, Cm. L'exemple suivant sera travaillé au prochain cours.